Salut à toutes et à tous les amis, c'est Madkiller et on se retrouve sur la suite de Fear. Donc rappelez-vous, je galérais à trouver ce que je devais faire. Donc je vais continuer un peu à galérer, j'espère que je vais pas continuer trop longtemps. Peut-être louper un trou, je sais pas. Enfin, en général, je ne loupe pas les trous. Lalalala. Par contre, ouais, il faut savoir que j'ai, je sais pas trop ce que j'ai. Hein. Enfin, si je sais d'où ça vient, on va dire. Hein. Je sais que y a pas si longtemps que ça, je suis resté toute une journée à l'extérieur avec peu de choses, ce qui fait que du coup aujourd'hui je me retrouve avec une voix normale. Hein, mais y a pas de problème à ce niveau-là. Par contre, j'ai super mal à la gorge. Ah bah tiens, il y a un truc là. Par contre, j'ai super mal à la gorge et je sais pas trop si j'ai plus mal à la gorge qu'à l'oreille, mais dans les deux cas, j'ai mal. Entendu. Des deux côtés. Ah bah, entendu. Monsieur Metz, vous me recevez? Donc je les ai pas trop parlé, quoi, en fait. Monsieur Metz, où est-il passé, cet imbécile? Merde, va falloir jouer à la dure. Ok, trouvez ce serveur et rebootez-le. T'es un rigolo, toi, hein? Hein, t'aimes faire des blagues pas drôles et tout. Tranquille. Bon, donc oui, je vous expliquais que donc, du fait que j'ai mal à la gorge et à l'oreille et tout, je vais avoir un petit peu de mal à faire des grands commentaires. Donc ce sera valable pour cette vidéo, certainement pour les deux prochaines aussi, parce que j'enregistre beaucoup. Et il faut savoir que je vais essayer de finir Fear le plus rapidement possible. Ce qui veut dire que Fear, il y en aura environ 2 vidéos par jour. Voilà. Enfin, une vidéo par jour de Fear en fait. Et donc ça fera 2 vidéos par jour, Fear et le jeu du jour quoi. Juste, faut que vous preniez en compte le fait que Manhunt, normalement ça a déjà commencé cette vidéo là, mais faut prendre en compte que Manhunt ne sera plus fait, histoire que je respire un peu au niveau des jeux d'horreur quoi. Voilà, Manhunt ne sera plus fait, par contre c'est ça la merde. Où est-ce qu'il est passé l'autre con là? Ça c'est fait. Putain, j'ai fait mal quand même là. À tel point que regardez, les armes, elles ont traversé le mur quoi. Je sais pas si vous voyez. Merde, par contre j'espérais qu'il y en aurait des meilleures des armes. Ah, c'est la merde. Ah, j'ai mal, je souffre de la gorge, putain. Attendez, des renforts. Un coup de grenade dans la gueule, tu vas pas comprendre. Clairement, il a pas aimé celle-là. Putain, c'est beau. Regardez. Oh. Oh, ça c'est... Ouais. Donc, regardez un peu. Je vous rappelle la technique. La technique, c'est ça. Ça, et on reprend ses armes. Voilà. Donc du coup, on a beaucoup plus de munitions, parce que sinon... Voilà, donc on rechange, hein. Comme tout à l'heure. Voilà. Et voilà. Du coup, je me retrouve avec 450 munitions au lieu des 160 que j'avais tout à l'heure. Ou 270, je sais plus trop. Du coup, on commence à être envahi, là, pour le coup. Hein. Il y a encore mon petit soldat malade, là-bas. Je pense qu'il faut que j'aille par là. C'est au moins du Alienware, ça. Ah, puis.
Putain, je psychote. Ici Jean, nous sommes sur le toit. Nous allons entrer. Bien sûr. Allez au point de rendez-vous. Eh, déconne pas, grognasse. Si tu rentres, je me fais buter, moi. Putain. Sauvegarde rapide, Mr. Freeze. Putain, merde. Qu'est-ce que j'ai mal, sérieux. Faut pas que je fasse de voix à la con, parce que sinon, ça tire, en fait. Alors, Freeze, ça passe encore, mais... Même parler normalement me fait mal, donc... C'est pas très agréable. Je suppose que l'ordinateur central, c'est ça. Enfin, le serveur. Mais sérieux, je suis certain que le gros, c'est un fils de pute, en fait. Oh, j'ai l'impression que... Ok, je montre que le réseau a été réinitialisé. Bon travail. Il va falloir une minute au système pour être de nouveau actif. C'est une minute de trop. C'est ça l'équipe qui est censée m'aider, bordel de merde. Putain de salope. Oh vache. C'est qui reste du soldat hein. Bon alors, ouais. J'ai encore pas mal de munitions, c'est chouette. Alors, par contre, bah, du coup, est-ce que j'ai loupé un truc ici? Ouais, je vais peut-être éviter de péter ça. Ouais, y'a rien, y'a rien, y'a rien. Y'a juste des murs, vous voyez, trop haut pour moi, mais pas trop haut pour les soldats, donc... Fusil à pompe, pistolet mitrailleur. Le fusil à pompe est quand même surpuissant, j'hésite vraiment à le prendre par moment, quoi, c'est... Ah ouais, bon, bah, tant pis. Mebs avait raison quand il disait que le système de sécurité était hébergé sur un réseau séparé. Tu peux accéder aux caméras, mais pas au système central. Mebs, c'est le gros, c'est ça? Mr. Freeze a fini de freezer, c'est bon. Sérieux, je pense que gentiment et l'air de rien, je commence à stresser très fort. D'autant que, écoutez bien. Voilà, il n'y a plus de musique, d'accord? Ça veut dire que je suis dans la merde. Voilà, je pense pas pouvoir faire plus clair. Et... Ah, la musique revient. Je sais pas si c'est la musique ou un élément du décor qui fait ça. Qui fait ce bruit. D'accord, donc j'ai la place de passer, mais je ne passe pas quand même, quoi. C'est... Vous voyez un peu? Je suis trop gros, chef. Ça, vous savez, c'est le très très mauvais plan parce qu'en fait, vous voyez ici là, donc il y a des, il y a le conduit de, enfin la canalisation, donc du coup, et conduit d'aération en fait. Ce qui veut dire que je vais certainement me prendre très rapidement. Ça. Je disais donc très rapidement. Un de ces putains de ninjas nazis sur la gueule. Et si vous voyez pas de quoi je parlais par ninja nazi, regardez peut-être deux épisodes avant où j'en faisais la comparaison et voilà quoi. Ça vient de là.
bordel, il a disparu l'autre là-bas. J'avais un cadavre là-bas et maintenant j'ai... un aspirateur ou je sais pas quelle connerie. Putain. Eh mais c'est du verre ou c'est du... Question con, c'est les questions qui n'ont aucun rapport avec le jeu. Est-ce que j'ai lancé mon timer? Grande question. Évidemment, non. Donc j'imagine que ça fait 10 minutes que je suis en train de jouer. On va peut-être continuer comme ça. Bon, ce n'est même pas un aspirateur, ok. En construction, effectivement. Vous vous souvenez Hollywood? Voilà, sur Hollywood Boulevard, il y a des... Putain, mais ça marche même pas, quoi. C'est quoi ce... Les mecs, ils ont mis du ciment et ils ont un truc que ça sèche avant de mettre les plaques dessus, quoi. Logique. Vous approchez de la dernière position connue de l'équipe Delta. Sécurisez le site et attendez Jean. Mec, je me tape tout seul depuis le début du jeu. Je sais pas si tu te rends bien compte, là, mais... Tu m'en demandes beaucoup, là. Bon, on va dire que tant que j'ai pas sécurisé la zone, cet épisode ne sera pas considéré comme terminé. Voilà. Par contre, là, c'est cool. Salut. Petite trousse de soins. Ce que j'aimerais bien récupérer, éventuellement, ce sont des grenades, et des vraies grenades, pas des grenades à la con que j'arrive pas à utiliser, parce que j'y comprends que dalle. Oh, ça pue le tracteur, putain. Je suis dans la merde. Ah, sérieux, je vais crever quoi. Vous ne l'avez pas vue, hein? Elle est l'originale. J'ai localisé le transmetteur de Fettel quelque part devant vous. Faites attention. T'es en train de me dire que c'est vraiment lui pour le coup, c'est pas. J'ai été fait à partir d'elle, et je suis né d'elle. Nous sommes séparés, mais nous ne sommes qu'un. Putain gros, t'es sérieux, t'es où là? Je suis étranger avec Hannibal Lecter, moi tu le sais hein. Ah oui, bah. Ça va se faire plaisir dans ce cas-là. Pour une fois que je peux me permettre. Ça fait longtemps depuis le début du jeu, je peux pas me permettre des trucs comme ça. Hein. Oh la vache, les zones sombres sont extrêmement sombres, quoi. C'est ça qui est un peu casse-couille dans le jeu. Par contre, vous voyez ça? Énorme blague! On voit rien, absolument rien, on voit juste des petits trucs rouges au milieu là. On sait pas pourquoi c'est luminescent, c'est juste une putain de trousse de soins. Je veux dire, ça pourrait se voir parce que c'est la même couleur. Et bon, bref, c'est. Voilà, je pense pas avoir besoin d'expliquer plus. Par contre, ça signifie que je vais me prendre des cartes dans la gueule. Donc j'évite de tout rallumer. C'est Alma ou c'est Non parce que sans vouloir vous expliquer vraiment le jeu, je connais le jeu. Je l'ai déjà fini quoi. Mais il y a longtemps, alors je redécouvre. Et j'ai l'impression de me répéter parce que je crois de l'avoir déjà dit au début du let's play. Donc... Les vitres, c'est fait pour être cassé. Voilà. Ah, ah. Même pas posé, déjà brisé. Tintintin. Donc il y a un feu de joie par ici. Putain mais c'est que ça me laisse vraiment cette connerie. J'ai crevé à cause de trucs que je sais pas ce que c'est. Elle est prisonnière.
Elle flotte dans l'obscurité. Oh, ta gueule. Comme le bébé dans le ventre de sa mère. Je la trouverai bientôt. Et je la libérerai. C'est quoi ça? Merde, je l'ai perdu. Bon sang. Je suis où? Attends, hé, je suis perdu, je suis où là? Ok, donc je recherche une mallette rouge qui brille dans le noir. C'est pour me soigner quoi. Puis je pense qu'on va s'arrêter là. Là. Putain, j'espère que ça passe bien sur YouTube parce que je regarde pas toujours mes vidéos une fois que je les ai postées. Pour voir si ça passe bien justement. Déjà, je fais le montage, c'est pas mal, je supporte même ma voix, quoi. Donc... Alors, bon, bah, les amis, on va s'arrêter ici. Parce que je sens que ça a appuyé d'un bon temps. Et puis, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à plus tard.